Alors évidemment, nous sommes de grands professionnels hein, dans cette nuit des abonnés. Puisqu'on a réussi à les boire et manger en moins de 5 minutes. Et on a même eu le temps de lancer Assetto Corsa. Allez, on va retrouver nos petits amis. Bonsoir. Et nos grands amis même. Bonjour à tous. Il est 1h43 du matin, c'est la nuit des abonnés. Vous êtes une bonne centaine encore hein, pour cet horaire, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même deux fois plus que les finales de l'ESL pour le championnat WRC. Et voilà, et ça c'est fait. Donc on est parti sur Assetto Corsa, donc à vous de venir nous rejoindre maintenant. Alors on va faire des combos. Où on va éviter quand même les contenus additionnels. Si tu veux, ce que je proposais en 10 jeux, c'est créer des serveurs sur Assetto. Ah, ça prend longtemps. Comment ah non, 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 ça va assez vite. Écoute, on va voir ce qu'il y a déjà de dispo. Sans vouloir te vexer, évidemment. On va aller voir ce qu'il y a en ligne. Alors, je vais du coup passer sur la scène Assetto Corsa. Le jeu ne veut pas. Bon, ça va être bien en tout cas. Le jeu, c'est sérieux. Très bonne chaîne YouTube d'ailleurs de Guise. Allez voir. Je suis passé sur sa chaîne d'ailleurs. Sérieux ? Voilà. Oui, il y a une vidéo de Noël où en fait ses abonnés présentent les cadeaux qu'ils ont eu. D'ailleurs, j'ai un jeu de NES dédicacé par lui. Voilà. Propre ! Il avait fait un concours et j'avais gagné. C'était un Dragon Slayer sur NES. C'est sur une NES américaine, je n'ai qu'une NES européenne, donc je ne peux pas y jouer, voilà. Et puis Dragon Slayer, il commence à être rare en plus. Ouais, mais vu que c'est un truc qu'il a bricolé lui-même, ça vaut rien. Oui, non, mais il est assez dur en plus. Il y a excusez-moi de revenir aux fondamentaux, excusez-moi, on est quand même dans une nuit des abonnés. Mais il y a actuellement sur Monza du GT3, et ils sont 6. Il faut peut-être que je lance le jeu. Alors excusez-moi, j'étais pas là pendant la pause, donc s'il y a eu des questions, vous pouvez les reposer évidemment sur le chat. C'est encore ça, ouvert à tous les participants, bien entendu. Bien entendu. Alors, sur ce grand blanc. J'aime pas les pauses, on s'ennuie ici à gland. Qui a mis ça ? Cédric Owen. Ah là là. Bon écoutez, on part sur du GT3, donc c'est Viviao Racing. Alors je sais pas si malheureusement je peux vous le montrer. Au fait, qui a réussi à regarder le GPF1 de Russie sans s'endormir? Oh, moi. Moi aussi, ça allait. En fait, il était pas si mal le Grand Prix. Bah, l'intensité des dépassements. Hein. Ah bah, il y a eu quand même de gros dépassements, faut le dire. Ah, ça fait plaisir ça. N'empêche, j'étais jamais venu sur ta chaîne et ça fait quelques années que j'ai plus fait de sim racing, etc. machin. Mais c'est bien cool l'ambiance de ton Steam. Ah bah c'est cool. Merci beaucoup. C'est grâce à nous ça. Ah ouais. Je déconne. Jean-Michel Grosse-Cheville, bonjour. La modestie. Tout va bien. Donc on est dans une session Vivaio sur Assetto Corsa avec donc des GT3 sur Monza. Il y aura 7 tours de course. La rotation. Il reste. Du volant. Eh oui, je l'ai dit avant la pause, Emric. Je l'avais dit avant la pause. Alors le serveur c'est Vivaio. Valagno, je pense. Vanina. Rappelle toi. C'est. Très gentil, Vanina. C'est pas possible. Aucun rapport. C'est le. Le serveur. Oui, Valagno, là, c'est Monza GT3. Et on est 15 pour le moment. Donc. Venez rouler. 800 la rotation, hein. Moi je mets 860, mais tu peux mettre 900. J'espère qu'au niveau du son, vous entendez quand même un peu le moteur de cette McLaren qui survire à... Mais c'est pas possible. La McLaren. Ah bah attends, je vais venir en spectateur alors. Là. Il est revenu. T'avais pas je n'ai jamais parti. Si, je suis couché avec l'ordi. Une voiture sans volant, c'est perturbant. Ah bah oui. Et moi, je l'ai déjà le volant.
Le doc, mais si Crody va taper Andy. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ce qui est un mec qui met dommage, j'ai pas tous les packs pour rejoindre. T'as Doc qui dit, mais si Crody va taper Andy. Voilà. Ça, je trouve ça scandaleux que si t'as pas toutes les voitures d'un pack, tu peux pas rejoindre. Merci Cédric Owen, ça fait plaisir à lire. Merci Cédric. Je vais pas dire. Ah! On a un abonné SFR qui reçoit. qui reçoit sa facture, visiblement. Ah, c'est le 1er mai, hein, ça commence à tomber, il les envoie. Un peu faible le son du jeu, apparemment. Ah, écoutez. Ah non, ils peuvent pas, du coup. Mais un peu faible ou vraiment vous entendez pas le moteur? Parce que un peu faible, je vais pas tout quitter pour corriger. Si c'est juste. Vous entendez pas du tout le moteur, là je peux quitter pour corriger. Mais si c'est juste un peu faible. On va attendre la prochaine course, mais... Alors que nous avons Max PLM qui dit « Ressors-nous l'Audi !» Non, c'est faux. C'est pas du tout. Ressortez-moi la GT3. Rappelle-moi, c'était quel circuit? Monza. Monza. Viva au Racing. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est GT2. Non, c'est GT3. Non, c'est GT3. Je rappelle évidemment que vous devez mettre votre litrage d'essence. Et que du coup on va partir en soft. J'ai cru que télé commence à dire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Aussi hein. Ouais bah bien sûr. T'en as beaucoup déjà, t'en as 170 je crois. Ah, je sais même pas, alors ça c'est vraiment quelque chose. Merci. Que... Ce qui est plutôt, plutôt un bon chiffre. Alors attends. Voilà, donc on est en fin de session qualification. On moi, est 10 je trouve que ça passe le son. On entend très bien le son du jeu, donc ça. Ok, ça marche, merci beaucoup. Je suis arrivé tout pile à la fin, c'est merveilleux. Je ne vois pas le serveur. Ah. Alors c'est peut-être parce qu'il était en transition de session en fait. Peut-être qu'il était entre la qualif et la course et que du coup il ne s'affiche pas. C'est possible. Sachant que normalement sur Assetto vous pouvez rejoindre en course. Oui, normalement, si vous avez le... Je rappelle, hein, si vous avez le compte Steam d'Andy Wheeler qu'il a passé tantôt sur le chat, remontez-le un petit peu. Je vais le remettre de ce pas. Vous allez sur son profil Steam, vous faites rejoindre la partie, vous arrivez, voilà, vous cliquez, vous arrivez directement avec nous, donc ça, c'est plutôt... Combien de tours? Parce que là, j'ai 7. Rien du tout, quoi. J'ai... Ah, bon, bah, c'est setup de base, la totale. Merci à Crudy qui a mis exactement le nom du serveur sur le chat, et ça, c'est cool. Ça, j'achète. T'as pas le droit. bah écoute, allez, hein, la chose et le couteau, comme on dit. Hein. Vitesse finale 331, ça m'étonnerait quand même. Hein. Alors, excusez-moi, le classement général m'intrigue et je ne sais pas où il est. Donc je ne sais pas, je ne pourrais pas. Attention au jumpstart, ça va partir. Et je viens de prendre un jumpstart. Et c'est un envol parfait. Non. Ouais, j'entends vraiment pas mon moteur malheureusement. Alors que je vous propose un restart session, s'il vous plaît. Oh, elle est tellement violente la nouvelle AMG. Allez, salut tout le monde. Non, non, mais voilà. La pédale de frein n'est pas mappée. T'es sérieux? Ah, c'est toi sur la gauche dans la grande courbe là? Oui. Ah, le boulot. Ah, quand t'oublies que... Donc, il faut mettre une pédale de frein, ça arrive, moi ça m'arrive de temps en temps. Ouais. Non, non, mais... T'es toujours en mode... Mais quel abruti! Pourtant je l'ai mappé la touche, je comprends pas. J'ai proposé un restart session. Ouais. C'est quoi, c'est Y? Ouais. Contrôle. Bah oui, mon volant il est bon. Oh non, mais non, mais non, mais qu'est-ce que c'est chiant. Allez! Putain, elle patine. Regardez. Même pas pour dire de là. Ouais, non. Elle patine pas, tu fais un demi-tour dans le gravier et là elle patine. Non mais please quoi. Scandaleux quoi. La salière est présente. Oh non, mais putain, je la perds à chaque virage, je vais vous faire foutre au pire. Non, c'est bon quoi. Oula, oui. Ah, oh le rush kit! Ah, c'est bon. Oh oui!
Celle-là, vous l'aurez pas en VOD. Hein. N'hésitez pas à écrire Rush Kit dans les commentaires. Ah, c'est bon, à un moment donné. J'en ai marre d'avoir le flambeau. Je cède le flambeau à Maxou. J'en peux plus, c'est tellement de la merde. Putain, la voiture t'accélère, tu touches les freins. L'arrière passe devant. C'est quoi cette répartition de freins à la Mormoleneuil? Non, c'est bon, quoi. Du coup, fais quoi? Chercher un autre serveur ou... Ouais, vas-y, cherche, garçon. Voilà, et là, c'est encore ça, c'est de fonctionner. Putain, fichtre. Diantre. Je peux même le créer, hein, si vraiment tu ouais, veux. Ouais, bah, crée. Unico avec un cul. Oh mon dieu. C'est pas beau. Ah, merde. Ah, il faut excusez-moi, mais là, il est tard et... Et c'est un rage kit, je l'assume entièrement. Voilà. Ah merci, oh merci les gens. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils ont mis, rage kit. Ah, ils m'écoutent, merci. Et c'est là que tu te rends compte du délai du chat par rapport à la réalité. Quoi. Ah, énorme, c'est un truc de fou. Hein. Ah, est-ce que l'adresse IP a changé? Alors Windows R. Ah attention, oh, merci parce que là on va avoir des infos. Retourner sur Restroom. Ouais. C'est pas forcément une facilité. Alors que j'ai droit à un magnifique commentaire sur YouTube de Road Festival, Maxou, fils de... Ah d'accord. Personne de bonne fortune. Alors, je sais pas si je peux vous le montrer, je sais pas si ça va passer sur le... Mais regardez. N'en bouge pas. Ça va décaler. Donc... Voilà. Je prends des compliments de cette personne, évidemment. Donc, je l'invite cordialement à aller s'asseoir sur un cactus. Voilà. Bon, c'était pas propre derrière. Non, mais ouais, c'était pas propre devant, c'était pas propre nulle part. Ah, je crois qu'il faut descendre très très bas. Ah non, mais on peut faire une recherche, taper Maxou. Tu tapes juste Maxou, tu vois. Le mec qui découvre les jeux vidéo. Ah oh, oui, Maxou. Oh, internet, c'est vachement bien. En plus, c'est écrit en minuscule. Oh, c'est pas beau. Oh, c'est pas beau, monsieur. Excuse-moi. En final, c'est quelle voiture? La Fiat 500. Ah. Je ne les connais pas, Doc. Si, Doc. De son prénom, Max. Oh oui, Island Short, c'est pas le DLC. Ah, la gameuse. Salut bébé, ça va? Ah. Ça va plutôt et... pas mal. Salut bébé, ça bloque? Allez. Oh, allez, salut. Désolé, chérie. Je n'ai pas le circuit du Mans, c'est normal. En plus, j'habite au Mans. Hein? Oui, non, mais laisse, Emmerich. Je cherche... cherche l'amour. Ah, moi je suis dessus, il y a Andy, il y a Discord, je le trouve pas, c'est atroce. Il y a Guigui. Tape juste Maxou en. Pour les personnes qui ont mappé des boîtes, vous allez avoir la bonne surprise de devoir rouler à la boîte. Ah oui! La boîte, parlons-en. Alors Geeks, qui est toujours sur le Discord, nous dit du coup, go sur Dirt, on va aller après sur Dirt faire du rallycross, c'est promis. On finira cette soirée par du rallycross. Mais bon, on va quand même faire une game sur Assetto, parce que c'est pas comme si ça fait une heure et demie qu'on essayait de... Attends, je vais tester mes freins. Ah, ça a l'air de fonctionner. Je viens de broyer mon moteur. Tellement de manque de respect sur le chat. Allez. On a une... Po, Antoine Daniel. Il y a une culture du ban sur ce live. Alors, du coup... Ah, ben gros setup, hein. Si t'as de la pluie aéro, tu peux mettre 1 ou 0. Waouh. Et c'est là que, hein, on peut dire en Belgique, on a des très bonnes connexions. Et non, pas non, comme à Metz, hein. Pardon. Quelqu'un qui se reconnaîtra. Super viré. Il y a Max PLM qui dit Andy, t'as cœur à prendre. Non, non, pas du tout. Mon cœur est déjà pris. Par contre... Margot Lafitte. mais elle ne le sait pas encore. Ouais, elle est prise de mon côté. Hein. Tu sais qu'il y a 50% de chance pour qu'on sorte ensemble. Hein. Ouais, parce que toi tu veux. Ouais, parce que moi je suis d'accord. Ah, avec un ping de 109. Il y a quand même 10 personnes, c'est pas mal à cette heure-ci. Hein. 10 personnes? Il y en a qui font ça en viewer. Hein. Bah, je suis content, c'est que le serveur tient aussi. Parce que... Ah, et un moulin. Enfin, un molino. Un molino. Avec le gros shift-up de Bolos. Vas-y, passe Guigui.
Alors, le rétroviseur en haut, j'en ai pas forcément besoin, je l'ai mis pour vous, parce que sinon vous ne verriez pas grand-chose. Ah, c'est génial. C'est quoi, juste marié qui est marqué? Ah, c'est possible, à l'arrière, je sais pas où. Sur celle de Guigui, j'ai marqué, j'ai vu juste Mar, et je sais pas ce que c'est le reste. Ah bah dis donc Guigui, on nous a caché les choses. Puisse voir ce qui est marqué sur ta plaque. Je suis tellement en train de bourriner le moulin. D'ailleurs, Margot Lafitte qui a fait un championnat en Abarth 500, si je ne dis pas de bêtises. Sérieux ? Il me semble. En tout cas, elle était partenaire Abarth, ça c'est sûr. Festival des tractions ce soir. C'est l'info dont tout le monde se fout. Alors que Li Chong vient de se connecter au serveur. Oui. Sûrement un abonné. C'était un de tout à l'heure aussi, ça. Ah non, Just Mario. Ah non, Juste Marié, c'est ça. Il est bien marqué ça. Just Mario. Ça aurait été Just Mario, ça aurait été très drôle. Ouais. Hein. Ah, le double débrayage, elle aime pas. Alors qu'il est 13h03. Oui. Et l'heure défile en plus, c'est... C'est atroce cette vue. Moi j'ai un laquelle vue... Je sais pas, la vue tableau de bord mais juste au-dessus devant le volant. Je vais pas de temps, je vais regarder un peu. Ouais, t'as un je vais faire un boulot de Maxime Bonnet, hein. Ah, le gamer pro qui dit connard et le gamer pro qui va dégager. Voilà, c'est un kick en pleine course. T'as Pete, t'as Doc qui dit mec qu'il est con par rapport à la connexion. Bonne nuit les gens, salut Esteban Fernandez. Quel serveur c'est Maxou le pilote? En minuscule. Tapez Maxou. Ouais, vous tapez Maxou, c'est bon. Salut petit joueur zéro. Oh, c'est encore ça. Est un DLC? Non. Elle est aussi plate qu'une Fiat, cela dit. Pardon. Alors, c'est le deuxième procès. Pourquoi il n'y a pas de volant? C'est parce que t'as différents modes de vue. C'était qui? Oui, Akinou, c'est parce qu'en fait, bah... moi quand. Bon, c'est son vrai nom. D'accord. Quand je roule, en fait, je retire les volants souvent dans les voitures. Ça me perturbe. Voilà. Bah, on est quand même 14, ça va. Ouais, on peut aller jusqu'à 24, donc venez, hein, n'hésitez pas. Venez faire péter le serveur d'Emeric. C'est ce que j'avais dit. Le volant il est en DLC, c'est ça, 50€. Non, je déconne. Non, le volant il fait laguer sur Assetto sur Xbox. Punaise. Non. La vieille elle est en DLC, pas celle-là. Hein. Ah, je sais pas. Parce que ça c'est la version course, c'est pas la version. Il me semble pas. Avec une boîte. Pour moi, c'est la SS qui est en DLC, pas la. Pas la. RRE ou Assetto? Assetto, Borg. Je fais du talent pointe. Ah, t'as le S Schumacher, elle passe pied à fond en quatrième, genre... Si tu avais un projet pour... de commenter d'autres épreuves de la FFSCA, Rallye Montagne Slalom. Non. Non, tout simplement parce que c'est... Désolé, c'était très brutal comme réponse. Mais c'est aussi... quand je réponds non sur YouTube, les gens pensent que je réponds NON. Mais je dis juste non, en fait. Parce que des fois, il y en a, il me dit, tu veux pas faire ça? Je fais, non. Et il fait, oh putain, tu peux répondre plus poliment, s'il te plaît, ça va, monsieur n'accepte pas la critique. Mais, non, j'ai juste voulu dire non. Ah merde, confirme, Thomas Pinotto dit, si je confirme, j'ai pas de pack et je ne l'ai pas. Oh, l'amourance. Bon, on est 16, ça devrait aller. On en refera une après. Mettez en commentaire des combos de voitures Vanilla, que l'on pourrait récupérer. Vanilla, que l'on pourrait récupérer. Putain, mais ce sous-virage de mort. Une poule, c'est pour Andy. C'est pas possible. Oh là là. Cet homme est une personne sans morale. Voilà. C'est encore ça. Non, c'était ta mode, petit joueur. Oui, je sais, mais ah, votre jeu préféré entre RRE et Assetto. Perso, moi, c'est RRE. B15. Non, je le connais. F1 Challenge. Ah oui. Fais un tweet si tu sais aller voir. NWX Crédit. Vous m'entendez au micro, hein, toujours, hein. Oui, ça va. Okay. Malheureusement, on t'entend toujours très bien.
Ah, je vais me suicider, je reviens. On part sur un décès. À mort les low cost. Mais c'est clair. Alors ça, c'est vraiment un jeu en DLC. En même temps, le jeu est tellement en DLC, justement, qui achète assez tôt sans prendre tous les DLC, du coup? Parce que le jeu est vide. T'as acheté surtout un jeu qu'il vide. Il était en promo il y a pas longtemps, messieurs. Il était en promo. Encore heureux. 33€, 32€, je sais plus. Encore heureux. Oh, elle était pas belle celle-là. Je m'excuse publiquement pour cette blague. Mais sinon, elle est sympa cette petite tabarte. Hein. Ah oui, franchement, je suis bluffé. Je suis bluffé. Non, parce que. Non, on est un reportage automoto, quoi. Le public est très ému, quoi. Voilà, 500 également. Promis, je vous mets. Enfin, avec Maxou, on va vous mettre quelque chose. Hein, quoi? Moi, je mets rien à personne. Ah, alors il va pouvoir un petit. Voilà, Matt Pézé a été qui. Mais ça, non, mais notre ami Max, que l'on salue, qui fait modération pendant qu'on est en piste, c'est quand même un très bon sniper sur World of Warship, mais aussi sur le chat. Hein. Et on là, il a avec sa MG42 en train d'attendre. Dès qu'il voit quelqu'un. Vous en pensez quoi de Project Car 2? Ben. On pensera que c'est de la merde quand il sera sorti. tu vois le mirage, bah c'est ça. Oui, c'est ça. Fait espérer, mais c'est. Bon, on verra quand on l'aura testé, écoute. Hein. J'ai hâte de voir. Déjà, j'ai vu les vidéos du Rallycross. Evora GTC sur le Nurb. C'est vrai que l'Evora GTC, c'est une bonne caisse. L'Evora GTC, elle est dispo de base. Et elle est sympa. 190. C'est une genre de GT4 low cost, encore une fois. Et il reste 0 seconde de session. Messieurs, nous l'avons donc. Est-ce possible de rejoindre le serveur vocal pour la course? Si j'en dans le nion. Pouvoir non. Signaler sa position ou s'excuser si besoin. Non, malheureusement. Non, pas dans ce cas-ci, non. Par contre, vous pouvez rejoindre le Discord. Oui. Oui. P5. J'ai fait un chrono. Oh non. Oui, la question va se poser quand Picard 2 va sortir. Ouais, voilà, c'est ça. Faut le voir. Faut l'essayer. On en rigole. Tu es une personne extrêmement méchante. M3E30. Ne dites pas ça à Maxou. Ne dites pas ça à Maxou. Qu'est-ce qu'il dit? E30, je dis ne pas dire ça à Maxou. Remarque, moi j'avais dit à la E30. Quoi, c'est les qualifs? Ah non, c'est le. Là, ça va être les qualifs. Countdown. Mais non. Oui, il y en a un qui s'en va. Parce que. Le visage d'un enfant qui était face à une N3E30. Ah non, mais. À Spa Francorchamps. Ah non, mais. C'était. En fait, on était à Spa et il y avait une ex-DTM, une vraie de vraie, de Alfred Egger qui avait roulé en 88, reconditionné au règlement 89. Et vous l'entendez d'ailleurs dans le vlog, j'ai perdu mes oreilles, quoi. Et pas que. Et un caleçon. Alors vas-y, passe avec ta voiture rouge, je ne sais pas qui tu es, je t'ai gêné, je suis désolé. Voilà. Alors ce qui est chiant, c'est qu'avec les voitures toutes pareilles, on les voit pas. Qui est qui est où, qui est quoi, il n'y a pas de nom au-dessus dans Assetto, je pense pas. Si. Alors donne-moi tout de suite la touche, puisque tu fais le malin et que tu te mets en dehors du groupe. Alors on dit, hein, fais le malin. Non, est-ce que vous savez seulement combien coûte un porte-avions, monsieur? Est-ce que vous savez combien ça coûte un porte-avions? C'est dans votre programme, hein. Alors arrêtez maintenant. Laisse-moi le laisser passer. Vous avez dépassé. Merci. Ah là, c'est bon, j'ai bien les noms dessus, c'est Amérique qui vient de me dépasser. Alors, Ranch... Ouh, alors, en sourire. Oh. Est-ce que ce serait pas N ou M? Non. C'est qui a un pic de 182 derrière, là, derrière toi, Andy? J'espère que c'est pas moi. Il y en a qui met Maxou P5 GG. Ah bah c'est notre ami Matt. Oui mais c'est les essais libres. Merde putain, je fais une connerie, je vais dans le bac. Ah oh salut. Non mais l'épingle du fond elle passe en 3 tellement elle a du couple. Oh là là, oh là là. Et c'est le billard. Et c'est le strike. C'est le snooker. Oh. Snooker. Viens, Fio, on va faire un snooker. Gaëtan Vigneron fait aussi du bien. Ça, j'aimerais bien commenter de. Franchement, pour la vanne, j'aimerais bien commenter une finale de jeu de fléchettes. Un tournoi de fléchettes. Ah bah, allez, demande à Guigui, il en joue, mais. C'est vrai, ça reste le billard, moi. Ah, le billard hier, avant-hier. Hier. Ah putain. Et le numéro AD. Ah oui, le polonais qui joue. Le numéro 2 ATP qui s'avance pour jouer la dernière balle noire de ce troisième carton. C'est n'importe quoi. C'est le Google qui font du bien et qui font. Ah là là. Et qui crèvent les yeux. Ils sont tellement beaux que leur Ferrari. Je te, hein, Doc. Voilà, c'est pas la même chose. Pardon. Ah, John Cena, je porte un t-shirt de John Cena actuellement.
Et ah tu oui. n'as pas les muscles. Ah oh, ça... pardon. Oh, merci du Dafonseca sur le chat, effectivement, les bonnes références de commentateurs. Allez, on est parti dans un tour chrono. On rappelle que c'est Andy Wheeler qui est à la pole en 2 minutes 33. Gros chrono hein, sur cette North Life. Ah bon? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est une course de poule yaourt. C'est ça. Ouais, mais périmée. Mais qui a une boîte à crabeaux. D'ailleurs, je salue le TH8A que j'ai qui coûte très cher et que je n'utilise actuellement pas. Putain, il va bien vouloir se casser là, lui. Bouge. Voilà. Mais c'est pas possible d'être pas très gentil à ce point. J'ai oublié que c'était peut-être un abonné. Oui, parce que toi, c'est pas tes abonnés, mais moi, oui. Alors, un peu de respect, je t'en prie. Ah, peut-être. Enfin, dans les 15, enfin, dans les 16 000 que tu as, il y en a sûrement qui sont. Mais on est quand même 19, hein. C'est beau, c'est beau. Non, tu n'es pas le seul qui aime les bagnoles et le foot. Je sais, j'ai pas vu le pseudo, mais. C'est bah, Monsieur Solitaris. Moi je dis vive le Bayern de Munich. Et voilà. Vive l'Olympique de Marseille. Putain, j'en perds mon freinage quoi, tellement je suis choqué. Et on est encore et on est 120, il est 2h30 du matin. Est-ce que tu vas à Spa Classique? Oui. Oui. Ouais, je serai au Spa Classique. Et il sera aussi présent aux 6 heures de spot. J'ai fait ta tournée des circuits. C'est ça quoi. Tournée des bars. Pas à venir nous voir parce que je serai avec lui. Ouais. Même si vous venez surtout pour Maxou, hein. J'ai bien compris. Non mais c'est quoi cette sortie de virage de mort? Je vais me faire l'intérieur quoi. Je vais essayer de trouver une histoire de mettre un t-shirt Maxou pilote sur le sac. Enfin, je vais trouver une astuce. Mais tu l'as le t-shirt toi. Toi tu l'as reçu. Il y a gros de la chance. Il y en a qui l'ont. Non, mais j'ai pas coupé! Mais meurs, jeu de merde! Pardon, excusez-moi. Je tire pleinement les conséquences de cet échec en me retirant d'Assetto Corsa. Il n'y en a juste pas! Est-ce qu'on pourrait vous voir au Spa Classique? Ah, moi, oui, moi j'y serai. Normalement, j'y serai. Ça dépend. Si je perds toutes mes économies aux 6 heures de Spa, non, mais si normalement, oui. Ma tèche de ce live, hébergez-moi s'il vous plaît. Ah, hein? Téléphone à Jawad, écoute. Écoute, hébergez-moi, si tu veux. Ah, alors c'est peut-être les mauvaises paroles de notre ami Lai. Mais c'est pas possible! Punaise! C'est alors... toi là qui fais des gauche-droite au premier ouais, secteur? Je suis défoncé. Hello darkness, my old friend. Vous êtes tous très méchants. Ouais, on est tous en survirage surtout. Je sais m'a gonflé. Ah, qu'est-ce qu'il a mis, Doc? Humans VST qui nous dit, enfin qui me dit, t'aimerais retourner aux 24 heures du Mans ou tu t'en fiches? Ah, ça parle de fiche. Option 2. Maxou, vas-tu exposer la Matisse de Madame au Spa Classique? Alors, Crudy, comment tu sais ça? Comment tu connais la voiture de ma copine? Parce que ça, c'est vraiment un truc. Alors, soit je l'ai dit une fois pour la vanne et je m'en rappelle plus. Soit bah, tu l'as dit sur la. Je l'ai dit le WTCC 2013. Ah avec oui. On en a parlé, je crois. Ah, avec le. Oui. J'avais peur que mes confidentialités Facebook aient pris un coup. Oh là là, je suis nulle part dans le droit moi, je de. Je voulais te voir 6 heures de spa, mais comme il y a Andy. Mais non, c'est pas Andy, c'est moi. Ah, moi je n'y serai pas, vous moi. Vous pouvez venir. Pourquoi j'ai pas de relance à la sortie du Warsteiner? Ça m'énerve ça. Ce sera Emric et Maxou. Moi je serai au 24 heures. Non, il vient pas. Alors attends. Il est mauvais. Enfin, je serai peut-être au 24 heures. Ah oui, dans la vidéo de Madame au volant. J'ai eu peur.
Guy qui m'envoie un petit commentaire par Steam pour dire qu'il a été champion québécois de fléchette en 2012. Oh, dis donc. Eh ben, bravo à lui. Ouais. Pauvre enfant. À mettre sur ton CV. N'hésite pas à, à faire un don. Assez. Security de mes 3 petits points, je confirme. Ah, Doc qui met Yay Bayern, bien sûr, la référence. Voilà, ça c'est pour celui qui voulait me doubler dans la première épingle. Vous êtes pour qui en LMP1 sur le WEC? Bah, étant donné qu'il y a vraiment un plateau énorme cette année. On a l'embarras du choix, j'ai envie de dire. Hein. Il n'y a pas Andy au Spa Classique, vous pouvez y aller sans risque. Vous êtes très méchant. Et je n'ai plus d'essence. Ah, moi j'ai mis 30 litres pour la course. Pour bon, en LMP2, je suis pour le Jackie Chan. Je sais plus comment ça s'appelle. Oui, le Jackie Chan Racing, c'est ça. Ah, Jackie Chan Racing, c'est ça. Ce qui est toujours très sympa à avoir affiché dans le classement. Pour, Ah. Oui, Jackie Chan dans le classement du WEC, ça me fera toujours bizarre. Mais bon. Je viens plus sur le nom. La voiture à Romain Dumas au 6h de Spa. Ah, l'Alpine. L'Alpine en P2. En P1, il y avait Audi, mais ils ne sont plus là, donc Toyota. Combien de tours la course? 10. Et en GTE, c'est AF Corse pour ma part. Écoutez, il reste une petite minute. Une petite minute. Miljani, Pansech, pourquoi le sport automobile est devenu ta passion, Maxou? La drogue. Voilà. Je sais pas, honnêtement, j'ai toujours aimé les voitures quand j'étais gosse. Et bah voilà, depuis que je suis tout petit, j'aime ça. Alors pourquoi, je ne sais pas. Je pense que, en résumé, j'ai grandi à l'époque où à la télé on en voyait beaucoup. C'était très bien diffusé, c'était très bien commenté, c'était très accessible. Sur Eurosport, sur la RTBF, sur France 2, t'avais le Dakar, t'avais le STW, t'avais le DTM, t'avais la F3, t'avais la F1, t'avais la Formule 3000, t'avais tout qui passait à la télé. Et bah, j'aimais bien regarder la télé sur toutes les courses. Voilà. Le gars qui dit, avant la course, oubliez pas vos réservoirs, pense déjà au tien, et t'as deux qui met ça me rappelle des pilotes. Eh oui. Et pensez à ne pas couper vos moteurs. Voilà, la petite référence. Et après, vendez-le sur le bon coin. Peut-être qu'un chanteur connu viendra vous l'acheter. Maxou, qu'est-ce que Maxou, t'as quoi en voiture miniature 1/8ème? Ah. Ah. Eh bien, petit joueur 0, je t'invite à prendre un café et téléphoner à ton patron ou à l'école où tu vas si tu es étudiant. Et patienter parce qu'il y en a. Beaucoup trop. C'est un musée pour l'avoir vu. C'est un vrai musée et c'est agréable à regarder. Eh ouais. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a la vidéo, hein, de toute façon. La F1 que tu aimerais pas piloter cette année. Une que j'aimerais vraiment pas piloter cette année. Une qui a l'air bien chiante à conduire en vrai. Hein. Ça a l'air d'être la Renault qui a l'air d'être un calvaire à régler. Je pense. Bon, après. Voir. La As. Oui, la As, oui, parce que j'aimerais bien ressortir vivant à l'issue du premier tour. Bon. Bonne, ça fait bon bonne. La première course que tu as été voir. Première course que je suis allé voir sur circuit, c'était les 24 heures de Spa 2002. Sinon, avant, j'ai fait des trucs, des courses de côte, des meetings et tout ça, mais... banlieue dangereuse. Ah, bah voilà, ça a été effectué. N'hésitez pas à vous refaire kicker si besoin. Ça tient toujours pour le gif de Maxou. Oui, mais je veux la musique, hein. Yo, est-ce que je m'abonne? Tu fais quoi sur ta chaîne? Du poney. Et des blagues très drôles. Je serai entourné le 18 à Liège, je serai entourné. J'adore cette vanne, pas mal chaud. Putain, elle est très rapide la procédure. Putain, on dirait Brian Serrano à la belle époque. Waouh. Alors que Zoltan... Directement on the wall. Hello the breaking the wall. Dans le temps, je l'ai vu, il est parti avec les Alors Maxou, tu fais les appels de phare? Quoi? Pas du tout. Salut, regarde à ta gauche. Je ne vous connais pas. Ah, d'ailleurs, il y a Andy à ma gauche aussi. Ah, d'accord, je me fais rentrer dans le... C'est moi. Coucou. Coucou, toi. Je t'ai vu à l'intérieur, je t'ai vu.
Ah, d'accord, on me rentre encore une fois dans le... Alors, il faut savoir qu'actuellement, j'ai un angle mort d'environ 190 degrés, hein, donc c'est... 90. Ah, qui mieux mieux, 90. Alors, qui c'est dans ta voiture que je dénonce ton nom? Que l'on t'envoie une horde de pénis sur ton mur Steam. Li Chung. Ah, d'ailleurs, après Li Chung, il y a quelqu'un d'autre qui... Non, mais il n'y a que moi qui ai le pouvoir d'envoyer des gens mettre des pénis, c'est vrai. Messieurs, la course dure 10 tours, on a le temps, pas besoin de pousser. Ah, j'ai mis 4 litres de carburant. Ah bah salut. Non, je déconne, je déconne. Merci d'être venu, hein, c'était cool. On va profiter des petits fours, ainsi que de l'alcool mis à disposition dans le paddock. C'est vachement bien, ça. Et chaude. Ah, référence. Si tu veux faire chier, tu peux faire comme moi quand t'arrives à Spa. Tu veux faire chier la personne chez Pirelli qui te dit vous voulez boire quelque chose? Oui, qu'est-ce que vous désirez, monsieur? Je sais pas, vous avez quoi à proposer? Ah, on peut faire ce que vous voulez. Je voudrais un lait chaud. Et là, la meuf, elle te regarde et tu fais: vous voulez un lait chaud, vous êtes sûr? Je fais: non, je prendrai un jus d'orange. Ah, ça va. Parce que la meuf, tu lui as dit un lait chaud, elle fait: oh putain, où je vais trouver un micro-ondes? Comment je vais faire? Qu'est-ce qui se passe? La panique. C'est très très drôle à faire. Ah, Monza, après, pourquoi pas, avec les Lotus Evora, pourquoi? Dive bomb! Comment ça, j'ai percuté personne avec l'angle mort? Y a Crudy sur le chat qui pense, enfin qui m'insulte d'ailleurs, de manière totalement gratuite. Et sans raison d'ailleurs. Profiter de l'alcool et des petits fours dans le paddock, on appelle ça faire une Weber. Ah d'accord, drapeau noir, je ne sais pas pourquoi. Drapeau noir? Noir? Ouais, on m'a envoyé dans les stands, je ne sais pas pourquoi. Ah bah tu peux redémarrer, ressort. Non, je ne peux rien faire. En fait, j'ai pris un slowdown et j'ai pas pu me remettre à 35 et tout ça. Il a fallu que je m'arrête totalement pendant 15 secondes. Je suis très content. J'ai pas compris là, on me pousse au cul et c'est moi qui prends un drapeau noir. Okay. Alors que j'étais au coude à coude avec Maxon le pilote. Ah là, je suis à la bagarre moi. Avec un monsieur dont le pseudo, les initiales sont Zizi. Bah, moi je suis bloqué à la. Une personne très drôle. Un homme doté de beaucoup d'humour. Attends, on est au deuxième tour. Ça va être infâme cette course, elle va durer jusqu'en 2033. 10 tours, ouais, je pense que ça va être long, avec les Fiat. Bah, c'est-à-dire que 10 tours en Super Trofeo, ça passe. 10 tours avec les Fiat, ça va être de l'endurance. Émeric le rage, hashtag Black Flag. Bah, quand tu comprends pas, oui, pourquoi? Que penses-tu de Lance Stroll? 18 millions. Ouais, il a le nombre de millions qu'il a apporté comme numéro de course. Pardon. Sa vidéo, tu dis: ah bah ça, bravo, super pour l'appareil photo, génial, t'es bon, bien joué Nils, bien joué. Bravo Nils, bravo pour l'appareil photo Nils. T'es vraiment un sale petit con. Bon, ça va, c'était drôle. Ah. On voit que ton niveau est ton point fort, Maxou. C'est bon, quoi? Pardon. Pardon. J'ai rien dit, excuse-moi. Mais j'ai pas entendu, on voit que mon quoi? D'accord, le. On voit que l'humour est ton point fort. Quelque chose, ouais, que ton point fort. Toujours mieux que le pilotage. Je pense que tu vas te faire. Message supprimé, je pense. Non, c'était quoi son message? Qui ça? T plus loin, G, Pitlane Motorsport. Ah bah voilà. Ah bah oui. Hop. Et la numéro 49, me dis pas qu'il n'y a pas la place, hein. Alors, je suis entre le mur et le papier peint. Salut, je suis aussi un passionné. Je suis en train de construire une 208 pour le championnat de France de rallycross. Oui, il l'a dit. Je voulais le lire tout à l'heure, j'ai pas eu le temps. Désolé à toi, mais effectivement, j'ai vu que tu as dit que tu construisais une voiture pour le championnat de France. Pas comprendra qui pourra. Ah, et c'est le trop loin.
préférée. Ah oula, votre voiture préférée. Ah non, il a dit à l'envers, votre préférée voiture. Oula. Moi j'étais 40. BMW, moi, M3, je... E30, ouais, 87, voilà. Moi, rouge. Voiture Ferrari, Ferrari 458, un vrai moteur atmo, pas un turbo. Et bien évidemment. Une Clio 2. Alors, ralentissez pendant 5 secondes à 35 km/h avant la fin du tour. Je pense qu'on va tous finir par avoir une pénalité. Hein. Ah bah j'ai pas compris, en ligne droite, si j'y fais quelque chose, je veux bien, mais là... Donc je dois prendre un slowdown de 5 secondes. Ma voiture préférée perso, c'est la F40, voilà. On s'est dit. Ah, je suis sur toi, Max, je te regarde. Sois pas trop sûr, moi, ça va me gêner, sinon. Y'a des gens. Comme si vous le faisiez pas dans le privé. Non. Juste non. Yoda sort de ce corps, geek, ça, c'est vraiment ça. Oh là là. Pendant ce temps. J'adore Maxou qui précise la couleur rouge, c'est vrai que c'est le point essentiel pour aller vite sur un circuit. Alors, la M3 Evo 30 rouge de 88 avec le 2 litres 3, pas le 2 litres 5. Parce que le moteur il siffle plus et t'as pas besoin de plus de puissance. Merci, ça c'est génial. Ça c'est génial, grand génie du siècle hein. Putain. Ouais, j'ai vu. C'est quoi le but? Il t'attend, ah. il t'attend. Ah, il t'attend plus. Ah si, il m'attend, mais... J'avais une pénalité, je me dis, je vais sortir de la chicane, je me mets à droite, personne va m'emmerder. Ah bah c'est... C'est vraiment pas gentil. Voilà. Non, non, attends, je pense... C'est NER. 499. Pardon ? Le mec, c'est pas Li Chong ? Non, je sais pas. Il a... C'est TCH, son pseudo. Moi je te vois devant toi Li Chong, c'est pour ça. Ouais, c'est possible. Parce que Li Chong c'est celui qui m'a foutu tout à l'heure aussi. Mais là, cherche. Ah bah, c'est les deux, Crichton.fr, je sais pas quoi. Et c'est Tiffé Tondu devant, c'est les deux. Oh là là. Et Li Chong, c'est les deux qui m'ont fait. T'es en train de me dire que je suis super bien placé, c'est ça? Oui, c'est ça. Une erreur de leur part, hein, ça peut arriver, mais bon, on laisse passer quand on fait une connerie. La base. Oh, le moulin. Du coup, il parlait tout à l'heure des voitures préférées. Est-ce que les F1 préférées, on pourrait faire aussi Benetton B195. Moi, si tu veux une F1 préférée, je suis désolé, je n'ai plus exactement le terme. Attends, ça va c'est revenir. La première Ferrari avec la boîte séquentielle. La celle de John Barnard en 90. La F190, non, c'est pas ça. C'est plus ça. Celle de la première qui avait la boîte à palette. Ouais. Donc avec c'est celle le compteur. C'est 80. Orange. Ouais, 91. Celle de Mansell et Berger. Mansell et Prost, pardon. Celle de John Barnard, mais je ne sais plus le modèle. Ça doit être la F. C'est pas la F150, non, justement. Non, F-150, c'est, bah, mais bon, c'est 2011. Pendant les qualifs. C'est F-399, F-312, je sais plus. C'est quelque chose dans ce style. Ah, je sais plus exactement, c'est pour ça que je préférais rien dire. La F1 de 91. Pour moi, ça sera la Brown de 2009. Voilà. Ah ouais, bah Benetton 185. Deuxième titre de champion du monde de Schumacher. Plus belle livrée de l'histoire. Et je maintiens. Alors, si vous voyez pas à quoi ça ressemble. La piste, pas énorme budget, quelle voiture à conseiller? Eh bah, tu en as énormément. Une Saxo. Ah oui, une C2, ben, tu C2. Vraiment... Enfin, C2 c'est déjà cher, hein. Mais une Saxo tu peux trouver pour pas cher. Les anciennes Clio 2, c'est quand même assez abordable maintenant. Je suis toujours dans le top 10, hein. J'en démords pas. Je suis toujours dans le top 20. Ouais. Toro Rosso avec la longue de, hein. Bah oui, la 2012. Celle qui avait un penny sur le bout. En ancienne, moi... McLaren du temps Hamilton Button. C'est mignon les jeunes qui disent les vrais. Tu sais. Genre les voitures de l'époque et tu t'entends 2005, tu fais ah. Ouais c'est ça. Toi tu fais moi les voitures d'époque c'est encore plus vieux quoi. Moi je veux 24 heures du Mans depuis que j'ai 3 ans.
Bah rip. Non, je déconne. je déconne. Je m'attends eh bah, 4 déçu. Ans. J'ai maintenant 4 ans. Oh, mais les deux, ils sont irrécupérables, quoi. Vous n'êtes pas... Key Williams. Oui, oui. DJ Chivas. Oui. C'est une merveilleuse voiture. Oh, mais meurs, jeu de brin fait par des merdes, pour des merdes. Alors, si vous voulez avoir cette version-là en version censurée, il suffit d'aller dans la vidéo de Max Soulou Pilote, apprend les règles, je crois qu'il s'appelle comme ça, ou apprend les règles, ou un truc comme ça, où il fait cette version-là, mais avec des bips. Oh. Pour les âmes sensibles, n'hésitez pas à y aller. Ah non, mais là, c'est trop dur, quoi. On parle de vraies voitures, les mecs, pas de traction. Oh, tout de suite, le doc. Ah, là, c'est... Celui qui gère le WTCS. Oh. Ça partira sur un popopo pour moi, Thilou. Ça partira sur un ban, ouais. Non, mais il va te répondre qu'il y a... Ouais. Emmerich, la prochaine fois, ce sera 5 tours. Hein. Ouais. Je pense ce que sera la mourance, hein, sinon le décès d'âge. Hein. Voilà, c'est un tout petit peu long. Bonsoir, un petit peu long. Monsieur Pierce, salut. Geeks, jeu de 3 petites étoiles pour des 3 petites étoiles. C'est quel jeu de merde, fait par des merdes, pour des merdes. Oh, dis donc, René, t'arrêtes de... Pardon. Oh, les bonnes références, quoi. Voilà. Moi, je vais préparer avec mon père une Ford Capri. C'est fini pour des rallyes. Okay. Ouais, ça y est, c'est fin de soirée. Je rappelle d'ailleurs que les VOD seront proposés à 16h et que la fin de soirée n'aura aucun sens pour les gens qui vont regarder. Mais dites-vous bien que là, il est 2h44, quoi. On est en live depuis 20h30, ce qui fait déjà beaucoup. Beaucoup trop. Et demain... Non. Je peux donner une mauvaise idée. Non, ce que j'allais dire, une vidéo de test sur... Mais non. Je vais pas être humilié en place publique. Bah, demain, c'est découvert de la Formule Extreme 2017 sur Ace Room. Ah, on me dit. Promis, je t'enverrai une vidéo. Allez, petit clin d'œil. On fera un direct. C'est des bonnes références, ah bah oui. Bah, ça peut être très drôle, mais il y aura pas grand monde. De toute façon, ton. Ah, coup. La gueule, Emmerich. C'est le genre clic. Alors, si le garçon devant moi prend pas un slowdown, je perds en l'humanité. Allez, Zerator, les bonnes références. Bah oui, attends. Ah, oui, Zerator, oui. C'est... Les pages jaunes! Pardon. Ah, là, c'est... Non! Mais quel... Non, mais c'est pas possible! Mais quel jeu de merde! C'est mort! Quel terrible embardé! Mais putain, tu sors trop large, tu prends un slowdown! Mais c'est sérieux ça! Vraiment! Tu fais une faute, tu sors trop large, tu prends un slowdown! Non, mais arrête, à un moment donné. Quoi. Alors, il y a quelqu'un qui pose VOD en une ou deux parties. En 700. Dommage qu'il n'y ait pas Manicourt. Comme Zerator, Ander. Aïe. Merci l'orage qui m'a provoqué une magnifique coupure du courant. J'espère que j'ai pas raté grand chose. Eh bien, si. Ah, si. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que je suis toujours 10ème alors que ça fait 25 minutes que je suis arrêté dans le bac à gravier et je viens de repartir. Ça. Moi, mon père, il a plus de 2143ème. Oui, je les ai comptés. Rip ma vie. Imagine le gars qui fait un enfant pour compter ses miniatures, tu sais. 4, 5, 6, 7. Ah bah c'est une bonne connexion. Collection, pas connexion, pardon. Voilà, je suis avec le fond. Cette rage, Maxou, c'est un régal. C'est pas beaucoup trop. Certains travaillent de nuit et le live aide beaucoup. Ah bah c'est sympa, c'est merci. Si on peut te divertir, nous sommes les troubadours. Comme dirait Belmondo. Cette rage était régale. C'est rare que vous m'entendiez rager. Hein. Enfin, oui, nous non. Ouais, non, toi c'est tous les semaines quoi. Ah ouais. Après, t'as le changement de ligne du gars derrière moi. Oui, j'aime les vieux films. C'est le gros salaud. Tu aimes les films de gladiateurs? Tu aimes les films de gladiateurs? Partie 1 stream normal, partie 2 rage kit, rage tout court, jeu de merde. C'est qui votre pilote préféré? Ah, très bonne question. Eh ben, je vous laisse commencer. Ça dans l'ordre.
Ça, c'est qu'il a pas d'idée. Je vous laisse moi, commencer. Ah non, moi je sais, c'est déjà prêt, mais. Mika Kinen, j'ai Vas-y, Stewart. Vas-y. Kimi Raikkonen. Non, mais en moderne ou all time ever? Ah oh, bah. Pff, les deux. Je pense que c'est en tout. En tout, Jackie Stewart, Mika Kinen. Ah, Kinen, moi j'adorais aussi. Et Joachim Winkelhock en touring car. Voilà, ça c'est le petit taquet qui va bien. Merci Maxou, c'est moi, enculé. C'est fait, Maxou nous fait une Maldonado. Ouais, je suis 13ème. J'attends que ce soit fini pour recréer un deuxième. Ouais, attends. Ah, c'est son numéro de voiture, ça? Ah oui. À ce point-là. J'aime bien ce mec. Il y a de la spi, oh, il y a de la spi, hein. Ah oui, Pélène regarde, le circuit est propre, pas une seule poussière malgré les sorties de Maxlou. Des bons aspirateurs, cet appart. Non mais. Pilote préféré pour moi, Jean Ragnotti. Oui, sauf qu'on est dans la montée du radio. Ah oui, on sort les doses, quoi. Faut aller flouter les pénis des développeurs derrière cette Corsa. Ah, c'est pas salope, oui. En rallye, quoi. Ça se chamaille ici, putain. Ils viennent chez moi. Un Alsacien. Oh, et un moteur pour moi. Allez, salut, hein. Ah, putain, j'ai glissé. La référence, quel bloc. Oui, voilà, bah, chacun, toi, je ferai pas trop le malin, parce qu'à jouer à ça, il y en a déjà plus d'un qui se sont fait avoir, tu sais. Regarde ça. Et Dirk, Doc, ouais. Dirk Müller et Andy Prio. Ah, mais Andy Prio, c'est un Deus du touring car, merde. Mais bon. André Lotterer et Loeb. Je suis plus Romain Dumas. Moi. Alors Andy, t'as chaud? Ah, Guigui va me faire un dive bomb, je le connais. Non, Guigui, non. Si, si, vas-y. Qu'est-ce que tu veux que je prépare pour après? Des œufs. Non, mais... Voilà. Et qui va se le prendre? Je fais un taquet dans le pancake. Un taquet des quoi? Oh, un taquet québécois, elle est belle. Merci. À cette heure-ci, j'en suis plutôt fier, je t'avoue. Tour, c'est beaucoup trop. Elle me paraît longue, cette course, mais moi aussi, j'en peux plus. c'est notre Stéphane Rattel qui a fait une organisation aux petits oignons en disant « Ah, des abarres sur le NURB. 10 tours !» Bah oui, c'est bien 10 tours. Ça fait quoi, 60 minutes? Bah après, techniquement, c'est pas énorme, on est qu'à 17 minutes de course, hein. J'ai 17 minutes de trop déjà. J'avoue. J'aime bien Farfus et Alain Meunier de WTCC. Nino. Nino, Nino, Nino. À ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez voir sur YouTube. Andy qui est en train de broyer une transmission. Tout va bien. Je vais me faire dégager. Attends, il y a un truc. En parlant de photos, j'en ai une avec Padis. Ah mais quand il a tapé ou pas? Je vais pas taper. Trop fort Dross en plus. Niki Loda. Oui. Oh salaud, il bloque. Hein. Allez, jouez cette petite bagnole, c'est génial. Ouais, hein. Pas mal, hein. Y'a moyen de se tirer la bourse, c'est excellent. Vous avez... Il reste combien de tours là? 700. 100 000. Ton alpha est un cochon. Oui. Après cette course, Maxou retournera à l'asile. Oh, désolé. Oh, non. My bad, j'ai regardé le Maxou. Chat, my bad. Maxou, t'achètes quelle marque? Un 18ème. Beaucoup de Auto Art. T'es où, Andy? J'attends. Mais t'es où? Je suis devant toi, Ah, là-bas, ok. Non, vas-y, roule, c'est moi. Non, mais je t'attends. Je veux m'amuser. Ah non, fais pas comme... Putain, Guigui, mais t'es un gros... Canadien. Voilà. Il parvient à me taper dedans, on est à 3 à l'heure. Maxou, tu comptes finir la course avec un seul cylindre? Ah là, je suis en train de broyer, moi. J'ai avoir les pistons, ils vont sortir par le capot, ça va être beau. Panique, il y a une putain d'araignée qui est tombée sur moi. Alors, petite référence, Max adore les araignées. Une Ferrari à 3 roues, tout est normal, Solidaris. De qui met ça? Tu es méchant, Doc. Tu es très méchant. Un petit dive bomb, Max? Vas-y. Un petit freinage trop tard?
Ah, elle va pas tourner la pute. Oh, et Kiki, l'effet qui se coule, évidemment. Bon, bah écoutez, ce sera... R.I.P. Geeks. 2000 km, n'est-ce pas, il y avait des cheveux, ouais. Il y avait un pilotage. Et du talent. Ça part au stock car, ouais. Alors, prochain combo, on nous demande la Lotus Exo à Silverstone. Alors, si Emmerich met 10 tours, je me pends. C'est le truc. Ah, c'est fini, c'est bon, je peux... Ah non, attends, on est dans le 9ème tour. Quand Andy t'a dit qu'il restait 2 tours, c'est qu'il s'est pas compté. Oui. Parce que là, si je chante le serveur maintenant, je crois que c'est... Oh, c'est pas une grande perte. Maxou, tes pistons vont faire sorry, I have to save the world. My people need me. Wouah, j'ai pris un lag à ouf. Il y a encore une smart et gentille, ça serait de voiture sans pari. Ouais. Parce que t'as au-dessus, au départ c'était une Fiat 500 et après ouais. Bah, ça va devenir une smart. Mais ça... Si j'avais encore pris un slowdown, je me levais, je me barrais, vous m'auriez vu en caleçon quoi. Oh oui. Bon, pour nous, ce serait pas la première fois. Ouais, et encore, pour une fois, j'ai un caleçon. Ouais, voilà. Leader is on his final lap. Est-ce que Maxou, tu as une BMW 3 litres CSL chez Auto Art? Non, parce que je comptais faire des études et les payer plutôt qu'acheter ça. Mais ouais, la 3 CSL de chez Auto Art. Ah oui, du coup, j'ai pas répondu à la question vu que j'ai percuté violemment Andy. Oh, Guigui, merde. Normalement, si j'ai bonne mémoire, enfin, vous envoyez quelques-unes d'ailleurs derrière moi des 1.18. J'ai beaucoup de mini-champs F1 en 1.18e. J'ai beaucoup de Auto Art, donc tout ce qui est BMW. J'ai une dizaine de UT. Alors, les UT modèles, c'est les anciennes mini-champs, notamment les BMW, etc. Et une ou deux Spark, mais elles sont très chères, les nouvelles, et très rares. Sinon, c'est beaucoup du mini-champ, mais des anciennes générations. Parce que les nouvelles mini-champs après 2005 ont vraiment perdu en qualité de peinture. Et ça m'intéresse vraiment plus de mettre 100, 150 balles, voire 200 balles dans une voiture dont t'as des cloques dans la peinture et tout. Je trouve pas ça top. Ouais, ou des motos marque VDS. Non, mais ça. Ça, 30 boulets, quoi. 6 kebabs. Oui, je convertis en kebab, moi. Ah, mais si vous voulez savoir le vrai prix de quelque chose, convertissez-le en kebab. Ah non, mais moi à une époque je convertissais en mini-champ, ma mère a failli me tuer à une époque. Tu sais que ça vaut quand même ça 3 mini-champs. Guigui qui va m'avoir sur la ligne. Knock knock knock, who is there, Pistons? Knock knock knock. Ah ouais, l'anglais hein. Oh là, hey. What do knock, you know? Knock knock Kigon, hein. Do you know what? Du coup, le fait que le leader soit dans son dernier tour ne veut pas dire que nous étions nous dans notre dernier tour, c'est maintenant notre dernier tour. Au bout de 22 interminables minutes de course. Quelle terrible endurance. Ah ouais. Hey, on a encore 306. Hein? Oula, putain, Ah non, j'ai pris un slowdown. Je te déteste, Emmerich. Je déconne pas, moi, c'est ce que je vois sur le téléphone. 306 visionnages en cours. Bah non. On est à 125, Emmerich. Ah, mon téléphone est à la ramasse. Non, ton téléphone a des bottes, a de l'argent sale. Une course d'examen, ce serait bien. Oui, mais ce serait long. Ah oui, 121, il s'est mis à jour, ok. L'imitation de la voiture sans permis. Merci. Max qui dit en fait nous sommes tous des enculés sur le chat. Je suis sûr qu'il y en a un, c'en est en tout cas. Oh, à poil, à poil. Alors messieurs, je vais me permettre de remettre le calme dans ce TeamSpeak. Je vous rappelle que nous sommes en live, que la VOD sera proposée à l'heure du goûter à des enfants mineurs demain. Oh. Et paf, plus d'essence. Aïe aïe. Ah, est-ce que... Non. Ah. C'est pas faux. C'est pas faux, j'ai une alerte rouge. Moi, je vais acheter une Audi R18 2016, un 18ème Spark. C'est pas possible que je sois en panne avant la fin. Ah là là, terrible. C'est votre crépine, hein. Depuis 22h, c'est ça, Geeks. C'est, j'avoue. C'est comme les mecs qui disent t'as pas changé le titre pendant un live. Et... Examen a déjà roulé sur Spa. Je sais pas. Et la fin. C'est un décès. C'est donc la pire marche arrière sur. La prochaine fois qu'Emmerich propose de faire un serveur, ce sera
Non. Non. Ah, oh, mais quelle course de merde. Putain. C'est bon, c'est fini là. Ah ouais, c'est fini, mais plus jamais quoi. Ah, j'en ferai un onboard. Du coup, je mets quoi? La même. Ce que tu veux, vas-y. On avait parlé de Lotus, mais un circuit qui bouge, hein, genre, je sais pas, Bronza GP. Non, c'est un DLT. Je sais plus ce qu'on avait proposé. Il n'y avait pas Silverstone avec la Lotus? Yes, Silverstone. Il va nous faire une Prost qui pousse la caisse aux 100 mètres à gauche d'une patte d'essence. Et oui, parce que vous vous en rappelez certainement, c'était au Grand Prix d'Allemagne 1986 où Ayrton Senna remporte la victoire alors qu'Alain Prost pousse sa McLaren TAC Porsche sur la ligne d'arrivée. Il va d'ailleurs abandonner et sera classé 6e par les commissaires alors qu'il était en 2e place de ce Grand Prix. Ah, et ça mange des chips. La Bible. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Wikimaxou. Alors, c'était quel Lotus? Oh là, je ne sais plus. Oui, ah Lotus là, Exos. Exo, ouais. Tour, non. On va mettre 5. Ah, attendez, l'Exo, c'est la Formule 1, la 128, là. Bah ouais, c'est la 125. J'ai mis 5 minutes d'essai, 10 minutes de qualif et 5 de course. Comme ça, vous êtes au courant qu'elle est inconduisible. Et on n'a pas Jean Alési pour nous dire comment la conduire. Ah, mince. À fond, à fond, à fond, à fond. Merde, j'ai pas eu le temps de voir ce que tu mangeais, mais... un simple chips pour survivre, parce que... Bref. C'est ça... les codes, là, c'est pas ça, là, je sais plus quoi ça s'appelle, ça. Ouais, les... C'est pas ça, les buggles. Que tu mets dans la crème fraîche, enfin, dans le... Pardon. On parle de bouffe, mais on s'écarte. Du coup, quel circuit? Bah, Bronzage, Silverstone. Bah, Silverstone. Non, Bronzage, il est en DLC. Silverstone, mais alors... Bah, Silverstone, avec ça, ça risque d'être bien, ouais, c'est large. Ça passe. Chercher ce qu'il y avait d'autre comme voiture sympa de base, mais malheureusement tout le reste est en DLC, quoi. C'est ça qui est dommage. Que ce soit la Maserati Gran Turismo GT4, elle est en DLC, donc. Là, la Miata, la MX5 Cup, je suis pas sûr qu'elle soit en DLC. Hein. La MX5. Version Cup, hein, pas la version route. Ah non, c'est la Evora GTC. Attends. Dites-moi, moi je. Sinon, non, faut un mode. Sinon, j'allais dire le camion est très drôle. Mais bah écoute, je serais pour une MX5 Cup parce que je pense qu'elle a été mise à jour dans le jeu sans que ce soit un DLC, mais je suis pas sûr. Bisous, Zoltan qui s'en va. Salut Zoltan, bonne nuit. On nous dit l'Evora GTC. Je pense que celle-là, je peux être sûr qu'elle est de base. Evora GTC. Elle est là. Et celle-ci est de base, donc je peux... Yep. La MX5 Cup est à DLC, ok. Ouais. Facebook. Alors, banlieue dangereuse, ça ne sert à rien de demander depuis 20 heures si quelqu'un peut lire le chat. Non, c'est gentil. Merci beaucoup. Oui, on avait parlé de l'Evora GTC. Bon, écoutez, on va faire celle-ci, parce qu'il est 3h du matin, quand même. C'est encore 110, que je ne comprends pas. Mais tant mieux, c'est pas un problème, mais je ne comprends pas comment vous faites pour être encore là. Oui, une blague, faites comme Jean, allez-y, voilà. Oui, voilà. Noobix. Du coup, tu dis quand le serve il est créé, Emric? Là, faut que je mette 24 voitures, donc je ne fais que cliquer. Oui, il y avait une question sur les automobiles. OTTO, qui est un fabricant français en résine de voitures à 18e notamment, il y a un 12e je crois aussi. J'aimerais bien en acheter une, il y a beaucoup de modèles qui me faisaient envie, notamment les BMW de route. Le problème, c'est que je n'en ai jamais acheté une et je ne peux pas te donner un retour sur la qualité, mais de ce que j'en lis, ce sont des modèles beaucoup français qui sont des Youngtimers. Donc les Youngtimers, ce sont des ancêtres entre, je crois, 12 et 24 ans, si je dis pas de bêtises, c'est la génération. C'est en ligne. Et c'est un fabricant français, et je trouve qu'ils font des modèles très cool. Ils ont ressorti des modèles qui étaient fabriqués auparavant par d'autres constructeurs, mais qui sont plus trouvables, donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc on est en Evora GTC sur Silverstone, donc venez nous rejoindre, le serveur sur Assetto Corsa s'appelle Maxou, le pilote, voilà.
Vous allez jouer à Mario. Alors, petit joueur 0, je te déteste parce qu'il a la hard card d'Hervé Poulain au 1/18, qui est donc une hard card de chez BMW, donc qui normalement était sous une coque en plexi et une plaque en verre gravée dans une boîte rouge. Ce sont les hard cars qui sont des voitures. Il y en a 17 qui ont été produites par BMW. La dernière en date qui est sortie en miniature, c'est la Jeff Koons qui a fait les 24 heures du Mans en 2010. 2012, je ne sais plus, 2010, je pense. Et qui était dans mes mains pour 180 euros. Je l'ai laissé partir aujourd'hui, elle en vaut 700. Voilà. Alors, il y a Monsieur Pierce. Question peut-être débile, mais il existe des compétitions ainsi que des clubs pour faire de la compétition automobile sur PC ou console. Je t'invite à aller sur la page du WTCS by PLM. Oui, puisque WTCS League tellement... a fait faillite. Oh. Ah non, mais c'est bon, quoi, à un moment donné. Bon alors, Evora. Cherche un peu sur internet. Goethe-se. Oh oui, non, je n'ai pas d'automobile, malheureusement. Enfin, de voiture de la fabrication automobile. Ah, je vais vous remettre le jeu, sinon ça sert à rien. Voilà. Alors, je vais tirer la souris de ma vue. T'as remis 10 tours ou t'as mis moins ? 5. Tiens, il nous a fait une Christophe Maé, presque. 5. C'est quoi, c'est Christophe Nigné dans Palmachin ? Oh, je sais plus. Christophe Nigné, ouais. Tu es belle comme une hirondelle. Bah 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 bah. Et Brick la pub, ah oui, Doc, pour faire la bonne. On vous fait de la pub. Quand de la bonne bon pub. Ah, il y a aussi le Real Championship. Il faut en citer 3. On n'en connaît pas d'autres. Chercher une vanne, mais je vais me taire. Silverstone, c'est un bijou ce circuit. À la base, c'est un aéroport. Enfin, une piste d'atterrissage et de décollage. Utilisé dans les années 40 jusqu'en 1943 comme base aérienne par la Royal Air Force, Silverstone est converti en 1949 en circuit privé avant d'être racheté pour accueillir l'une des premières manches, si ce n'est la première manche, je ne sais plus, de l'histoire du championnat du monde de la Formule 1 remportée, je crois, par Ascari, si je ne dis pas de conneries. Alors tout ça est à vraiment vérifier parce que c'est vraiment genre. Comme ça. Je me suis retrouvé derrière quelqu'un dans les enchaînements, il a fait « Oh putain, faut que je bouge !» Heureusement que tu n'as pas vu son nom. C'était toi. Tout à fait. Ah, t'as vu dans quel état tu m'as mis? Ah non, mais au moment où j'ai vu que je revenais en piste, qu'il y a quelqu'un, j'ai fait « Oh putain, faut que je m'enlève !» PLM, tu me débloques. Non, mais. Ah, mais c'est encore toi! Mais non, mais le mec à femme, quoi! Ah, là, par contre, c'est encore moi, du coup! MDR, le wiki qui ressort. Eh ouais, je confirme. C'est. Quand t'es passionné d'auto et que tu. Ah, non, mais... tu es avec Maxou, c'est juste génial. Parce que des fois, il te sort des trucs et. Les pneus trop chauds. Ouais, sûrement, ouais. Supportable. Un championnat. Voilà ce que je te réponds, Doc. Déteste ce type supportable. Je vais bientôt mettre 2 barres dans mes freins. Bien que mythique. Toujours eu des problèmes de repérage à cause de son relief quasi plat de bout en bout. Mais non. Ouais. Bah, c'est un circuit qui a su se moderniser. C'est contrairement à d'autres. Plus historique, donc. Pour moi, là-bas, il y a le wifi. Problème de riche. Non. Oh, il reste 24 secondes. On est en essai ou en qualif? Ouais, t'es en essai. Essai. Il y a 5 minutes d'essai, 10 minutes de qualif. Et... Ah d'accord, ce qui coupe comme ça. Hein. C'est moi la flèche. J'aime bien quand les mécanos ils changent les pneus et que c'est vraiment des longs changements de pneus. On a l'impression que c'est des lémuriens, ils sont là. On change les pneus. C'est ridicule. Ah bah t'as le mode ACFL qui est merveilleux, la vitesse des changements des pneus. Ah c'est pire. Ah ouais, c'est une vitesse. Ah Doc, il n'aime pas Silverstone. Ah, je savais pas ça. Je préfère la version BTCC, la nationale. Ah, elle est merveilleuse. La nationale, mais l'ancienne était très 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 dangereuse avec le bac à gravier à Cops. Et les chicanes qu'il y avait à l'époque quand tu redescendais Bridge. Oh putain, ça c'était vraiment un circuit. Dans Toka 2 d'ailleurs, dans Toka 2 Touring Car. Bridge, c'était, vraiment ça. C'était le meilleur virage du monde. Être roulé en tonneau, hein.
Un bridge. 2004. Bon, en même temps, Trouli et, et tonneau, c'est un peu un pléonasme. C'est tonneau roulis, quoi. Ah oui, tonneau 20. Eh oui. Quoi ? Ouah, la wifi qu'elle a avancé. Ah, c'est mais j'adore la version nationale du BTCC. Ouais, pareil. J'adore cette version-là. Bon, on peut libérer les Xeo ? En 3 secondes. Oh, le petit bird en sortie. Y a pas que lui qui sait le faire. Bon, mais... Alors, je peux plus lire le chat, je suis en train de rouler, mais promis, dès que je peux. Bah, on va demander à Max. Ah bah non. Non, moi je peux essayer de le lire. J'ai... Sur Dirt, promis, moi je n'ai pas Dirt, donc je pourrais lire un maximum de... Yep. Heureusement que j'ai pas un live. Au programme, je promets que je pourrai lire tout le temps. Ce que je veux. Pardon. Ah d'accord, je perds l'arrière, je ne sais pas pourquoi. Ah donc c'est toi qui es devant moi. C'est-à-dire que je serai en live pendant le deuxième tour de la présidentielle. C'est-à-dire que je commencerai peut-être mon live en démocratie pour le terminer en dictature. On verra bien. J'attends que tout le monde parle. Il y aura deux MLP au pouvoir. Un au Simon Racing et un en France. Son pseudo, un mec ? Le quelque chose de madame, j'ai pas compris là. Quoi ? Hein, quoi ? Oui. Le con madame ? Il y a un pseudo, j'ai... Ah oui, j'ai vu le... Et non, mais ce survirage, c'est infâme ! Ouais, bien sûr, faut que je tape, hein. Silverstone, 30 mètres de dégagement, faut que j'arrive à taper dans une arme co, quoi. Salut ! Je vois que je suis pas Salut le seul... Je suis pas le seul à galérer, visiblement. Bah, c'est encore moins. Oh, putain, c'est pas... Voilà, je manque d'appui à l'arrière, c'est horrible. Elle fait un joli bruit, cette caisse, hein. Juste une question de feeling... Ah ouais, il y en a qui sont beaucoup plus en difficulté que moi, là. Non, mais c'est infâme ! C'est insupportable ! Comment ça se fait qu'elle décroche aussi facilement ? Regarde ça, c'est un jeu de qui derrière là ? C'est infâme, on touche les freins et elle part. Attends, le pincement il a moins. Ah non, c'est le carrossage. J'ai même pas réglé le carrossage. Moi. Hop, voilà, on va être mieux. On va le mettre un peu plus, hein. Là je sèche. Vas-y, passe parce qu'il a l'air de motiver. Non ! Mon mauvais. Je sais pas qui c'était, my bad. Ah, oh, c'est un truc bizarre, la voiture est plus basse à l'arrière qu'à l'avant, c'est bizarre ça. En tout cas, merci en tout cas pour les... Merci pour les sélections des voitures. Hein. En tout cas, un vrai plaisir. Hein. Entre une caisse qui fait du 30 à l'heure en VMAX et une qui, dès que tu touches un peu un vibreur, l'arrière pas passe devant. Bon, elle est au minimum d'origine KSS, donc... Le passage en courbe est... Et non, mais c'est atroce, tu peux pas la tenir. Dès qu'il y a une courbe, elle décroche. Bonne nuit, bah, KS16 qui s'en va. Pierrot Desvilles, bonne allée, bonne nuit, je vais me coucher, je ferai la fin. En VOD, bah bonne chance pour la VOD. En fait, c'est pour ça que je dis hein. Ah ouais, non mais le carrossage faut le changer à l'inverse. Ah oui, moi je l'ai mis à moins 1,5. Alors on double dans les stands, Philippe Prito. C'est pas bien. Ça donne les noms de famille alors, d'accord. Pas assez d'appui, bah ouais. J'ai mis plus d'appui, on va voir moi. Je veux pas te vexer, Emric, mais je pense que c'est pour moi. Ouais, non, mais je sais, non, mais je parle aussi pour. Alors attends, il y a quelqu'un qui fait un tour chrono, vas-y, passe. Une voiture jaune, j'ai pas vu ton pseudo. Oh. Alors, j'essaie de lire le chat en ligne droite. Une Chaparral au 1/18ème, ça doit exister. Je crois que j'ai déjà vu d'ailleurs. Dès que tu mets les... Ah, tu fais un coup de frein en virage, c'est fini. Frein pour la réaligner dans le virage, mais là, elle veut pas. C'est pas ça, c'est que dès que tu veux faire un enchaînement et un transfert de charge dans les courbes rapides, l'arrière fout le camp.
Et là, je l'ai bien aplati. Il y a du Verstappen dans l'air, là, j'avoue. Ah putain, enfin quelque chose qui tient. Je suis désolé, mais... Il va me rester 5 minutes. Je sais même pas si j'aurai un tour chrono validé. Vincent qui nous dit « J'étais dans mon lit, j'ai vu de la lumière, j'arrive. » Ah bah voilà, ça tient, mais... Ah, moi j'ai mis l'appui à fond et ça tient. Alors un mélange Senna Verstappen. Ouais mais au moins tu peux faire ma Guts Beckett, ses chapelles sans te foutre dedans. Et ça c'est bien. Le retour en piste messieurs, le retour en piste. Pourquoi cet accent belge absolument raciste? Non je me forçais à le faire pour éviter de dire des gros mots. Comme ça je pense à autre chose. C'est psychologique. C'est... La psychologie d'Homer Simpson. Oh, 3056, ça va être chaud. Enfin, un tour. Oh, ça va, 4 minutes, on sait qu'on est lent, mais on tourne en 2 minutes. Oh, je partirai dernier, comme même. Vache, t'as peut-être cet enfant gâté pourri qui ne respecte personne. C'est pas un pilote payant. Qui? Verstappen. T'es fou toi? Si. T'es fou, c'est pas un pilote payant. Bah non, pas du tout. Ah, je croyais que tu assumais que c'était un pilote payant. Non, le monsieur sur le chat a dit je préfère un pilote payant à Niki Lauda. Mais non, c'était pas... Enfin, Max Verstappen, c'est pas un pilote payant. Je sais pas si c'est ça que tu voulais dire, mais... C'est tellement incomparable à Lauda, quoi. Il y a 40 ans d'écart, les enfants. Et une brûlure d'écart. Et avant, tu pouvais, maintenant... Enfin, si, maintenant tu peux encore, on a lance 3. Et pas que, hein. On a Ericsson, on a eu Nasser, on a eu Arianto. Je me demande si à une année, est égal à la galère. Hein. Je me demande si à une époque, on n'avait même pas eu Romain Grosjean qui a dû payer son baquet chez Lotus. Avec Total. Avec Total, ouais. Ouais. Peut-être l'année où il est revenu, en 2012. Yep. Dommage qu'il n'ait pas gardé cette superbe coiffure de 2009. Oh, qu'est-ce qu'il était beau à cette époque-là. Et c'est à cette époque-là qu'il a rencontré sa femme, mais c'est pas possible. Je comprends pas, moi. Ça reste un pilote extrêmement talentueux. Si tu parles de Lauda, bien sûr. Non, Verstappen. Ah. Ah, il y a une question pour moi. Alors, Andy, vu que tu aimes c'est le catch du chat apparemment... ou... Ah non, c'est du sujet du chat, hein. Du catch, pardon. Oui. Ah ouais, c'est ça. Oui. Ah ouais, j'ai même pas vu. T'as vu Payback? Oui, bien sûr, je l'ai vu en direct hier. Et c'était bien, voilà. Ne jamais rester dans le TS quand Andy regarde du catch. Non, parce que je deviens violent. Bah, c'est un peu comme moi quand je regarde du BTCC, hein. Faut pas être dans les coins. Demande à Emmerich, j'étais en train de cuisiner chez lui, je te jure que j'ai failli tuer deux chats, quoi. C'est... Non, non. Attends, le départ sous... Non. Le départ sous la pluie à... Ça c'est vraiment, j'ai failli vraiment me foutre dedans, c'est pour ça que j'ai crié. Le départ sous la pluie à Donington avec les BM, crois-moi que... On se met P6 comme Jacques. Salut Maxou, c'est du assez tout. Oui. Tout fait. Monsieur Course Hippique, j'aime bien ton pseudo aussi. Yep. Abonné de... Pas de longue date, mais de quelques temps. Ah, attends, je vais regarder, c'est qui, madame, je sais pas quoi, là, je vais regarder dans les pseudos parce que... Attends, traction le Matisse de madame, voilà, c'est ça. Ah, j'ai glissé, chef. Course de 5 tours. Ouais. Excusez-moi, la fatigue me pénètre. On va encore partir l'un à côté de l'autre. Pourquoi, t'es combien? Je suis 7ème. Je sais pas, je dois être quoi, c'est 8ème, hein. 6ème. 6ème. Ouais. À 4 secondes 7. C'est 16ème mais j'ai pas fait de chrono. Je regarde le chat pour le... Oula, je sens qu'Awa va faire du Verstappen au premier virage.
Alors, PS en ma présence, si tu dis encore une fois Verstappen, je te bannis à vie de ce Discord. Non, Malik RR, non. La Porsche Pink. Pig. Oh putain, j'ai jamais su le dire, ça me saoule. La Porsche Pink Pig au A18ème existe et avait été fabriquée par Mini Champ à l'époque. Pas à l'époque. Il y a des briques. Ah, mais Rodrigue, c'est notre ami Rodrigue du WTCS. Tout à fait. Bah, bien sûr. En fait, je suis abonné pour ta série F1 2016 avec Stoffel, je te suis depuis le début. Yep. Monsieur Course Épique. Guillaume avec ses 500 de ping, hein? Ouais, Guigui. Il avait 500 de ping. On le voyait chez moi. Ah oui. C'est l'éclat noir. Et on va assister à la course. Putain, c'est... C'est pas de ma faute, je crois qu'on a vu la même chose. Rien dit, moi, là. J'ai 30 litres, c'est beaucoup trop. Je vais en laisser 25 parce que j'ai... Pareil. Pas que j'ai pas confiance, mais bon, suffit qu'elle consomme un peu plus, hein. How much do this consume? Je sais pas. Tu mets... Verstappen, ouais. Ouais, j'ai vu. Ça va, hein, Geeks, il y en a qui disent Van Dourne, hein. Si on, si on les corrige pas, ils continuent à dire Van Dourne, hein. Enfin bon. Pourquoi Van Dourme? Ouais, Van Dorme aussi. Ouais, malheureusement, je vais devoir partir. Salut, Eric. Ricky, ouais. De toute façon, il y aura la VOD. Hein. On s'acculait bien, mon accent, c'est quoi le problème? C'est votre voix. Son accent du sud de la France, il est chantant, hein. Le camion de la 917 Golf en 18ème, il existe au 43 mais pas au 18ème. Spark l'a refait il y a pas longtemps d'ailleurs. Verstappen, German version. Verstappen. Yavoul. Attention au moulin. Rentre ici. Ah, il y a un jumpstart. Ah, la même pour moi. Putain, et ça patine pas ces caisses, c'est génial. Pas du tout. Il y a traction control, je crois. Oui. Non. Oh, j'ai fait l'extérieur à tout le monde. Oh là là. Oh. Attends, il y a encore un freinage après. Ah, alors que j'ai un drive-thru à effectuer. Parce que j'ai fait un jumpstart. Oh non. Oh, mais c'est pas possible. Oh putain, chier. Putain, j'ai l'impression d'être sur une spéciale de l'acropole dans Dirt. Les lobbies, c'est vraiment génial. Pardon. Je crois que j'en ai un à gauche. Ah, alors ça vote et le bah, restart. Et bah c'est parti pour un restart. Et ce sera non. Allez. Oh non. Parce que moi, je suis yes, P4 et je vous merde. Ah d'accord. On vient me chercher pour me mettre dans l'herbe, j'adore. C'est pas légal. Eh oui, c'est vrai qu'entre ces deux titres, on peut dire que les 8 ça a mis le temps. Alors, je suis à l'intérieur, est-ce que le monsieur m'a vu? Oui. Ah, je repasse P3 sans doubler personne. Ah si, c'était sorti à Cops, je suis pas sûr. Non. Pardon. Mais pourquoi il freine là, lui? Ah, d'accord, bon, au revoir. Je suis angoissé, il y a encore mes traces des essais à la sortie des virages. Je fais du Gymkhana sauf que les plots sont des bagnoles, c'est pas faux. On dit quoi, mais j'ai rien dit ce coup-ci. J'ai rien fait. Et ce qui est très embêtant, c'est qu'avec le décalage du chat, tu sais plus de quoi il parle. Oui, c'est ça. Pas du tout. Alors bon, ça. J'ai un drive-thru effectué. Bon, les restarts de session, ça va 2 minutes. Le mec, à l'époque, t'avais la manie d'attendre 5-6 tours, et au 5-6ème tour, t'avais restart, et t'avais un mec qui faisait oui. Et du coup, tu te faisais avoir. Parce que toi, t'avais réussi ton départ, et du coup, bye bye le bon résultat. Alors, il y a un mec qui vient de ressortir devant moi, c'est très compliqué. Honestly, blue flags, blue flags. Ping pong. Andy, je suis ressorti derrière toi.
Enfin, un peu plus loin, mais... Je viens d'imiter Sébastien Vettel, si vous avez le live. Voilà. Ça, c'est fait. Oh non, non, non. Oh, c'est, j'ai compris, j'ai... Ça y est. Enfin, un bon gros fuck. Et je suis passé P2. Sans aucune raison apparente, mais... Le salon est plein à 24. Hein. Ah non, mais il y a du succès. Bon, il y a la moitié au box, mais ça marche. Moi, je trouve que 100 personnes à 3h20, à 1er mai... Je tiens à répondre à Max et de dire que je ne suis pas con. Voilà. Ah ouais. Que tu es très non. Pardon. Excusez-moi. Qui est juste derrière moi? Cri, c'est quoi? C'est qui? Mais bon, mais si je te laisse passer, à un moment donné, vas-y, grand, hein, parce que... C'est un jeu à la con, et je sais que je vais le perdre. Dive bomb! Bon, attends, bah, c'est toi la verte qui est derrière en P4? Non, je suis P... j'en sais rien. Oh, mais y'a que des gens qui sortent des box sous mon nez! Zut à la fin! Y'en a marre! Je suis pas venu ici pour souffrir! Ok? Pardon. Ok! C'est mon choix. Ah, c'était cette émission là! Bon, bah c'est fini. La voiture, je sais pas ce qu'elle a. Je... Ça va pas? Ah non, du tout. Je ne fais que perdre l'arrière. Comment ça, ça sent le bac pour Maxou? Bah merci! Que nous atteignions. Ah oui, il y a les dégâts. C'est... Ah, je sais pas. Je... Ah, l'auto. Le downshift protection, merci beaucoup. Non, non, bah. C'est... J'arrive plus à rien avec la voiture. J'essaie de sauver ce qui peut être un potentiel podium si le bon Dieu est avec moi. Ou toute autre croyance. Hein. Si le Dieu kebab est avec moi. Ah, j'aimerais tellement qu'il vienne me bénir le dieu kebab là, tu vois. Ah ouais, là j'avoue. Avec un petit supplément feta là. Ah, putain. Je rêve où le premier s'est planté. Non, je rêve. Appelez les Hadek. Non, bah. Ah, je suis désolé si je bourrine. Non, c'est allez. Je suis oh, désolé je si je bourrine. Non, c'est parce que vu qu'elle part tout le temps comme ça, je préfère. Vous êtes sérieux? Alors, il y avait encore oui. Plus vicieux, il y a des gens qui faisaient ça en course et qui votaient next session et tu repartais en 2 heures d'essai des fois. Oh là. Là, t'avais tellement le sel. Et là, il perd l'arrière. Non, ça va. Non, c'est arrivé pour moi. Me portez pas malheur, j'ai eu assez de mal à la mettre à moitié réglée pour qu'elle tienne, pour pas la perdre en 2 secondes. Grandi en pleine bagarre avec Chivas. Et Brick, tu peux vérifier, t'es en vue TV là. Et je suis en vue onboard. Non mais t'es sur les, t'es en spec. Ouais. Regarde un peu si le mec qui est devant moi en vrac complet c'est le leader. Le mec qui est sur la non. Gauche. Non. Ça va. Merci. Ce qui est très marrant, c'est que je peux kicker les gens, donc si tu veux que je kick le premier. Ah, carrément. Le non-respect du mec. Putain, on dirait l'époque balestre. Tellement de souvenirs. Ça dépend, le leader, il est brésilien ou pas?
je me rends compte que... Ah, ouais, non, ça va. Non, le... à l'époque balestre, on pouvait kicker que les Brésiliens. Quoi, Emeric perd le cul d'Andy. Oh là là, ça y est. Non, non, le cul de ma voiture. Ça arrive dans la période allusion Salars. Yes Salars. Ah, depuis le temps que je l'attends. Attends, après on va faire l'extension blind test, ça va être bien. Ah, ah ça c'est... Après c'est quoi là, c'est d'autres rallye après ou c'est... Après de c'est rallye cross. Okay. Et je trouve que 3h30 pour Nuit des Abonnés, c'est déjà pas mal hein. Bah, et après d'autres rallye, il a posé toutes les questions parce que vu que je n'ai pas le jeu, je pourrais lire tout. Les et autres, bien sous les Maxou. Les autres Nuit des Abonnés, c'était terminé plus tôt de souvenir. Hein. Ouais. Il me semble. En tout cas, vers ces aussi, en tout cas, vers 2h30, 3h. Alors que Slady Franchi se montre dans les rétroviseurs de Max le pilote. Je ne peux pas faire ça, c'est un métier. Ah, oui. Ah mais Andy peut nous le faire. Laissez ça à des professionnels, les gars. Ah. Il y a plein de noms qui me viennent en tête, mais je n'en citerai aucun. Ouais, parce que... Bah, le procès, hein. Toujours. Oh bah, en même temps, il en mérite des procès lui aussi. Hein, donc, Ah, pourquoi pour plagiat ? J'ai pas le temps de lire le Malik Rere qui s'est fait supprimer par Doc. Attention, parce que là, je suis en train d'essayer dur depuis deux tours. Ayez une pensée pour moi quand je vais faire le rendu des VOD. Ah putain, oui. Punaise, pardon. Bah non, mais ça, t'inquiète pas. Tout sera bipé bien évidemment. Hashtag melon. On parle pas de melon. Enfin. Non, c'est parce que ce qu'Andy disait juste avant. Laisse ça professionnel, je sais pas quoi. Alors faudrait m'expliquer comment dans Assetto, quand je suis en deuxième, ça lag, mais dès que je passe en 3, le jeu reprend ses 60 FPS. Alors moi j'étais un écran 4K de 140 cm et je suis à 90 FPS. Ouais, ça t'empêche pas d'être excité comme une petite fille de venir voir mon triple écran demain. Hein, donc... Oui. Voilà, le trash talk. Alors, Doc, je vais à la boulangerie à 6h, donc il faut tenir, les gars. Voilà, là là, quel dommage. Je suis tellement. Je sais pas si Emeric il est sur ma vue, mais. C'est Guigui ? Ah, Guigui, c'est pas beau. Il te met la pression, le mec derrière Slany. Hein. Ça va. Guigui, reviens ici, c'est pas bien. Alors, il est dehors, il part. On s'entraîne pour y racing, je pense. Et le mec devant toi, c'est un retardataire. Ah, remarque. Le spotter, dans... Je sens le dive bomb à la dernière chicane. Dive bomb. Aux abonnés de Exponigy. Philippe Brito, c'est chaud. Oh, il coupe dans l'herbe, c'est pas beau. Je suis en sous-virage, il manque une vitesse. J'ai raté ma vitesse. Alors, la blague, vous jouez assez tôt alors qu'il est assez tard, et passe-t-il d'un ban? Oui. Hop, allez, Alonso. Ah ouais, car... Ah, je viens de me faire une Ericsson, elle est belle. Ah, j'ai fait une Verline, si je dis pas de conneries. Et là, il restait un tour, et Maxou est dégoûté. J'avoue. Eh bien, c'est sur cette magnifique deuxième place, après avoir... pleurer mes reins que l'on va refermer cette et bravo à David J qui est dernier mais continue cette course sur Assetto Corsa. Maxou qui bouchonne mais pas du tout. Tout je bouchonne moi. Je débouchonne mais ça c'est plus tard. Ah ça y est. Évidemment le ah le A de l'alcoolique. Qui se rend compte. Alors, je vous invite, messieurs, à quand même, avant de passer sur Dirt Rally, à faire 5 minutes de pause, mais surtout, pensez à recalibrer pour le rallycross à 340 ou à 540, selon vos goûts, le volant. Parce que si vous vous retrouvez en rallycross à 900 degrés, bonne chance pour récupérer des pouces pour demain matin. Donc, moi, je repasse en 340. Là. Alors, je vais mettre le chat sur le hop, plein écran. Voilà, donc on va faire 5 petites minutes de pause et on se retrouvera pour quelques sessions. Alors on fera du rallycross sur Dirt Rally. Je crois que c'est Andy qui va de nouveau créer les games. Donc il va... Quoi, pourquoi tu te marres?
Non, parce que je vois des lives, c'est à mourir de rire. Nidification d'une maison charbonnière en direct. Voilà, c'est pour ça. Ah ouais, d'accord. Ah bah YouTube, c'est ouvert à tous, hein, je rappelle. Ça dépend, il y a peut-être un hologramme. Bon, je... Où je suis ? Voilà. À Lyon ? Et maintenant, Paris. Bon. Paris. Voilà. Donc voilà, donc Andy vous a mis sur le live, sur le chat, le lien du compte que vous pouvez rejoindre quand il aura créé la game dans 5-10 minutes, préparez-vous sur Dirt Rally. Et vous cliquez sur son pseudo Steam, vous faites rejoindre la partie et vous serez dans les pilotes qui pourront rouler avec nous en rallycross, comme ça on pourra être plusieurs en même temps sur la piste. Voilà, je rappelle également que juste en dessous du lien du direct, vous pouvez faire un petit don sur PayPal si vous voulez nous soutenir. N'hésitez pas, même s'il est tard, à partager sur vos réseaux sociaux aussi le live. On sait jamais, ça pourrait ramener des gens qui sont sur une insomnie ou quoi. Ça pourrait peut-être les occuper parce qu'après tout, on est encore une petite centaine. Donc on marque une petite pause, 5 minutes. Je coupe le son, Emeric, rassure-toi. Et on revient donc sur Dirt Rally pour vos questions. Alors si vous êtes également sur le chat, Emeric sera là pour cette fois-ci récupérer les questions. Donc n'hésitez pas, à tout de suite.